artiste travaille dans l'aisance, dans la facilité et dans le luxe. Ça n'a pas été mon cas du tout. Je suis passé à travers toutes les échelles de la profession. On dit du plus petit jusqu'au plus grand. Et je ne peux pas faire l'autosatisfaction en parlant de moi ou en faisant plaisir au public parce qu'il me voit, bien qu'il me voit à travers mon métier. Mais puisque j'ai la possibilité de parler de ma profession, j'ai voulu montrer toute l'étendue, toute la difficulté et tout le travail extraordinaire que ça représente pour un individu qui ose se montrer devant le public. Avant, dans la maison, j'aimais quand nous vivions comme dans un dessin d'enfant. Tu ne m'aimes plus. Je regarde le soir tomber sur les miroirs. C'est ma vie. En conclusion, il faudrait bien que tout le monde comprenne que les artistes, les acteurs, n'aiment pas avoir l'air de se plaindre tout le temps, de faire la quête. Alors je crois qu'il faut mieux que je m'adresse au ministre des Finances et qu'il considère que les arts et le spectacle sont une nécessité pour les loisirs et la culture du public, et qu'il donne au ministre de la Culture les moyens de développer les arts et les spectacles. L'histoire n'est plus à suivre et j'ai fermer le livre, le soleil n'y entrera plus, tu ne m'aimes plus.